Voici les conseils à utiliser en 2022 pour faire progresser vos dessins d'une manière fulgurante. Alors restez bien jusqu'à la fin si vous voulez avoir l'ensemble des méthodes et des techniques à utiliser et ces conseils pour progresser en 2022. C'est parti! Il faut savoir que depuis que j'ai 20 ans, pendant environ 9 ans, chaque année, j'ai fait une seule chose qui m'a permis de progresser énormément. Et c'est cette chose que vous allez devoir refaire en 2022. Quand j'ai intégré l'école d'art, on nous a donné un emploi du temps qu'on faisait chaque semaine, forcément, puisque c'était une école d'art. Et ensuite, lorsque j'ai quitté l'école d'art, donc j'ai fait qu'un an, eh bien, ces habitudes sont restées et j'ai continué de me former tout en gardant le même rythme et le même processus, tout en gardant un emploi du temps qui soit à peu près similaire. Ensuite, lorsque j'ai intégré l'atelier d'art où j'étais à Toulouse, eh bien, il faut savoir que chaque année également, il se passait cette chose-là et c'est la répétition. Ce qui veut dire que maintenant qu'on est en début d'année, eh bien, il va falloir que vous repreniez les mêmes exercices que vous faisiez ou les mêmes exercices que je vous donnais selon les vidéos que j'ai publiées sur YouTube et que vous les répétiez parce que l'une des règles de la progression, c'est la répétition. Reprenez les vidéos ou les exercices sur la perspective à 1, 2 et 3 points de fuite, sur les bases de la perspective avec la ligne d'horizon, la ligne de fuite et les points de fuite. Reprenez les cours sur le portrait, comment construire un portrait de face, de profil et de 3 quarts. D'ailleurs, j'avais fait plusieurs vidéos là-dessus. Reprenez et des lives ou refaites les exercices sur le corps humain. Bien sûr, en changeant les photos, ne reprenez pas les mêmes photos. Reprenez le même style de photo, mais changez les photos. Sinon, ça devient de la routine et vous finissez par vous ennuyer. Reprenez également les cours sur les valeurs. Revoyez les bases sur les valeurs ombre, lumière. Comment fonctionnent les ombres et les lumières sur une forme, en fonction de la lumière ou de la source lumineuse. Est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est une lampe? Est-ce que c'est le ciel? Revoyez tout ça, reprenez les cours sur les plis des vêtements. Revoyez également les vidéos sur le fusain parce que je vous rappelle, comme je l'ai précisé la semaine dernière, que le fusain est l'outil parfait pour faire un dessin hyper réaliste. Ainsi que l'anatomie artistique est extrêmement important et qui vous permet de comprendre quel muscle influence la forme du corps. Comment fonctionne l'anatomie et comment fonctionnent les muscles? J'avais fait également une série de 3 vidéos là-dessus. Je vous invite à tout revoir, à tout réapprendre durant cette année 2022 parce que une des règles de la progression, c'est la répétition. Répétez, répétez encore et encore et vous allez énormément progresser. J'ai fait ça pendant 9 ans. Évidemment, moi, je reprends en septembre parce que la rentrée, c'est en septembre, que ce soit en école d'art ou à l'atelier d'art où j'étais, c'était plutôt en octobre, mais de octobre à octobre, eh bien, je refaisais exactement les mêmes exercices. Je revoyais la construction, les bases de la tête, je revoyais exactement tout ça. Et chaque année, à chaque fois que vous allez reprendre et revenir sur des exercices, vous allez vous dire, mais attendez, j'ai compris d'ailleurs comment fonctionne la construction, comment fonctionne le nez, comment construire le nez, comment construire les yeux, la bouche, comment construire le visage dans la tête. Et c'est en répétant encore et encore que vous comprendrez toujours mieux, toujours plus de choses, vous dessinerez toujours plus vite. Parce que les débutants, on dessine assez lentement au début. Mais en répétant, ça va devenir un automatisme et vous dessinerez toujours de plus en plus vite, toujours de mieux en mieux grâce à la répétition. Faites-vous un emploi du temps sur 3 mois, par exemple. Pendant 3 mois, vous allez étudier le visage et le corps humain. Pendant 3 autres mois, vous allez étudier les valeurs et l'anatomie. Et ensuite, vous revenez encore sur le portrait et la perspective, par exemple. Ensuite, 3 nouveaux mois où vous étudiez les valeurs. Et vous vous fixez comme ça 2 heures par jour, en fonction de votre emploi du temps, en fonction de votre liberté. 2 heures, 3 ou 4 heures par jour. Voilà la toute première étape de votre progression fulgurante pour 2022. Maintenant, passons à la deuxième étape de la progression fulgurante. Maintenant, c'est très possible que les informations que je vous donne sur YouTube ne vous suffisent plus. Vous vous dites, je ne progresse plus avec ce qu'il m'apporte.
Et donc, vous avez besoin d'aller plus loin, d'apprendre d'autres informations pour progresser plus vite et mieux avec des détails plus précis et un suivi dans lequel je corrigerai vos dessins. En gros, 2022 doit être une année couronnée de succès avec vos dessins et que donc vous devez aller plus loin dans votre apprentissage. Et bien pour ça, la solution est toute prête puisque j'ai remis à jour le méga pack de formation de dessin dans lequel vous trouverez l'ensemble des meilleures méthodes que vous allez pouvoir appliquer réparties dans les 6 différentes formations que j'offre. Que ce soit sur la perspective, le portrait, le corps humain, les valeurs, l'anatomie et le fusain. Que ce soit pour faire un dossier pour entrer dans une école d'art dessinée, pour le simple plaisir de passer un bon moment de détente ou même pour en faire un véritable chef-d'œuvre, ce méga pack est l'aboutissement de 4 années de travail de mise à jour et d'amélioration des contenus. Je vous offre là toute l'expérience que j'ai acquise dans ces 6 formations de dessin, chacune répartie dans différents modules bien spécifiques. Pour vous donner un aperçu dont j'apprends à dessiner en perspective, vous apprendrez les bases de la perspective à 1, 2 et 3 points de fuite, comment dessiner une composition de plusieurs objets grâce à la perspective à points de fuite multiples, comment dessiner des cercles et des triangles grâce à la perspective, ce qui vous permettra entre autres de dessiner les pneus d'une voiture par exemple. Vous allez apprendre aussi la perspective cavalière, mais aussi comment marche la perspective atmosphérique dans une peinture, comment utiliser la perspective curviligne qui est extrêmement puissante parce qu'elle permet d'obtenir des angles et des points de vue beaucoup plus larges qu'avec une simple perspective, et on terminera avec le dessin d'une belle ville en perspective. Donc, j'apprends à dessiner un portrait réaliste, je vous apprendrai l'ensemble des techniques pour dessiner un portrait réaliste étape par étape et en suivant un processus simple et extrêmement efficace, en partant des formes géométriques de la tête et de la structure des éléments de la tête. Vous aurez là toutes les informations en détail sur ce qu'il faut mettre en place pour réussir votre portrait. Mais je vous apprendrai aussi les différences entre hommes et femmes et les proportions de la tête en fonction des âges et des personnes, parce que oui, les proportions sont différentes en fonction de la taille et de l'âge de la personne. Ce ne seront pas les mêmes chez un bébé de 2 à 3 ans que chez un adolescent ou un adulte. Dans la troisième formation du méga pack, j'apprends à dessiner le corps humain. Vous allez apprendre les proportions du corps, comment dynamiser vos personnages grâce à l'esquisse, comment dessiner les différentes parties du corps humain en utilisant des formes simples et géométriques, le torse, les bras, les mains, le bassin et les jambes, et puis les pieds aussi. Et puis, on terminera avec une longue étude du dessin du corps humain où je vous apprendrai toutes les étapes à mettre en place pour réussir le dessin d'un personnage. Une fois qu'on a appris à dessiner le portrait et le corps humain, il va falloir améliorer son esthétique en le rendant plus beau avec J'apprends à dessiner les valeurs, formation dans laquelle je vous apprendrai à comprendre les ombres et les lumières, les différentes méthodes de hachure, comment comprendre la forme sur laquelle la lumière va se poser, comment dessiner les textures grâce aux ombres et aux lumières. Et dans cette formation, on retrouvera notre dessin de portrait dans lequel, cette fois-ci, on placera les valeurs ombre-lumière pour obtenir un résultat réaliste de notre dessin qu'on pourra fièrement accrocher sur notre mur. On continue avec l'anatomie artistique, puisque cette formation parfaite est l'élément clé pour réussir à tout connaître des formes du corps humain et du portrait, puisque je vous apprendrai le squelette et les muscles, comment dessiner les formes synthétiques et leurs formes réelles du muscle et du squelette, et comment dessiner les muscles en mouvement pour obtenir les dessins les plus réalistes qui soient. On terminera ce méga pack de formation avec le cours parfait du dessin hyper réaliste qui est J'apprends à dessiner au fusain. Là, on a affaire à la consécration de toutes les formations et de tous les cours que je vous ai enseignés. Je vous donnerai la liste des outils à utiliser dans le dessin au fusain. Je vous apprendrai les bases du dessin et celles
du dessin au fusain dans une nature morte, comment utiliser la technique de la masse, ce qui vous permettra de faire un dessin au fusain en volume en seulement 4 heures, ce qui est extrêmement rapide. Puis, on terminera avec le dessin d'un portrait réaliste en fusionnant le fusain et le crayon pour obtenir un résultat hyper réaliste. À la fin du méga pack, vous aurez toutes les connaissances en détail pour atteindre le niveau de qualité que vous voulez avoir dans vos dessins. Mais surtout, ça vous permettra de pouvoir réaliser des projets comme dessiner des membres de votre famille ou un parent ou des enfants dans la plus simple amabilité ou bien sûr avoir des plus grands projets comme exposer vos œuvres. Tout est parfaitement bien structuré comme dans une série de films qui se suivent avec des exercices pratiques à mettre en place après chaque vidéo. Mais ce n'est pas tout, puisque pour vous apporter plus de valeur et être sûr que vous progressez de la bonne manière et de la façon la plus efficace, je vous offre 6 bonus supplémentaires. D'abord, le méga pack est accessible à vie. Que ce soit dans 5 mois, dans 2 ans ou dans 10 ans, vous y aurez toujours accès. Ensuite, vous avez un accès total à toutes les mises à jour qui seront faites dans le futur. Ce qui nous amène au troisième bonus qui veut dire que vous aurez accès gratuitement à toutes les futures formations que je ferai par la suite. Dans le quatrième bonus, vous avez accès à un groupe WhatsApp privé uniquement pour ceux et celles qui ont intégré les formations. Après chaque exercice, vous aurez la possibilité de publier vos dessins sur WhatsApp et je ferai une petite vidéo d'une à deux minutes dans laquelle je vous dirai ce que vous pouvez mettre en place pour améliorer vos dessins. Mais pour des corrections plus longues et plus détaillées, c'est grâce au cinquième bonus qu'on fera des visioconférences sur Zoom dans lesquelles je m'attarderai plus précisément sur vos dessins. On y passera entre 1h et 1h30 et je vous montrerai quoi mettre en place pour améliorer vos dessins. Et pour vous accompagner dans une meilleure progression, vous aurez accès à tous les stages de dessin que j'organise chaque mois dans différents sujets. Le portrait, les bases du dessin, le corps humain, les valeurs, l'expression graphique et bien d'autres sujets que vous allez apprendre dans l'année 2022. Combien coûte ce méga pack? Eh bien là aussi, je vous fais une super offre pendant 5 jours jusqu'au dimanche 9 janvier, puisque dans cette formule VIP, je vous donne accès à toutes les formations ainsi qu'à tous les bonus que j'ai cités juste avant, avec une réduction de 50% sur le prix final, puisqu'il vous revient à 2 497 € au lieu de 4 997 €. Et dans la formule essentielle, vous aurez accès à toutes les formations ainsi qu'à tous les bonus, sauf l'accès au stage de dessin et aux nouvelles formations, pour une offre également de 50% de réduction aussi jusqu'à dimanche à 997 € au lieu de 1 997 €. Il vous reste encore 5 jours pour passer au niveau supérieur et vous offrir l'une des 2 formules avant que je ne termine les nouvelles mises à jour pour l'année 2022. Et comme à chaque fois que je fais des mises à jour, une fois que je les ai terminées, le prix augmente. Mais plus encore, vous avez la possibilité de tester le méga pack pendant 30 jours. Et si au bout des 30 jours, vous n'êtes pas satisfait, envoyez-moi un simple mail et je vous rembourse tout de suite. Pour encore 5 jours, je vous donne la possibilité de vous offrir le méga pack avec 50% de réduction sur le prix final, avec toutes les mises à jour, le groupe WhatsApp, les corrections des dessins sur Zoom, l'accès aux nouvelles formations, ainsi qu'à tous les stages de dessin avec une garantie de 30 jours remboursée ou satisfait. Maintenant, l'année 2022 sera l'année de la consécration et de l'immense progression de vos dessins. Imaginez la différence entre une personne qui ne se forme pas et vous qui allez acquérir toutes les connaissances dans ce méga pack. D'un côté, il y a celui qui ne va pas progresser et de l'autre côté, vous qui allez réussir à enfin faire un dessin digne de ce nom. Dans quelques semaines, vos dessins ne seront plus les mêmes parce que vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin pour faire un magnifique dessin. Et pour accéder au méga pack, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Choisissez la formule VIP ou la formule essentielle. Entrez vos coordonnées et vous recevrez la formation dans votre boîte mail.
Moi, je vous retrouve de l'autre côté pour une année 2022 riche en progression. Excellente soirée à vous. Ciao.